Bonjour. Dans le commerce, on trouve de plus en plus des bandes de cire froide comme celle-ci. Donc, je vais vous montrer comment bien les utiliser. C'est pas toujours évident, hein, puisqu'il y a quand même certains gestes à avoir, mais une fois qu'on a pris les bonnes techniques, il n'y a pas de souci, c'est assez simple. Donc, il suffit de chauffer les bandes de cire. On sent assez vite en les frottant, ça devient tout de suite un peu tiède. Voilà. Une fois que c'est tiède, vous pouvez ensuite séparer les bandes l'une de l'autre. Alors attention, ça colle vraiment, hein. Donc il ne faut pas toucher la partie où il y a la cire. Et puis vous allez donc poser une des bandes, bien sûr, en faisant attention de ne pas mettre de la cire sur le meuble, l'endroit où vous le posez. Ensuite, donc, on prend la partie qui a de la cire et on va la mettre sur la zone à épiler. Il ne faut pas la poser en entier, sinon ce sera difficile ensuite de la décoller. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours aussi la poser dans le sens du poil. Là, par exemple, sur la jambe, les poils, ils vont du haut vers le bas. Donc, on pose notre bande en lissant bien du haut vers le bas, que ça prenne bien les poils. Et puis, comme j'ai dit avant, vous gardez une partie pour pouvoir la décoller, hein, sinon c'est un peu difficile. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien tirer votre peau dans le sens contraire du sens auquel vous allez tirer votre bande pour pas arracher des petits bouts de peau et puis pour bien que le poil y sorte. Donc la bande, elle va vraiment devoir être tirée cette fois dans le sens contraire du poil, donc du bas vers le haut. Puis vous faites ça assez rapidement, donc comme ça. Bien sûr, vous faites ça sur toute la zone à épiler. Et ensuite, vous allez sentir c'est collant, hein. Il y a encore de la cire qui reste sur les jambes. Donc, il y a toujours des petites lingettes avec exprès pour décoller les restes de cire. N'essayez pas de faire avec de l'eau, hein, ça ne va pas partir. Voilà, vous prenez vos petites lingettes à la julienne par exemple, vous appliquez sur les zones qui ont été épilées. Et la cire qui va partir et vos jambes qui seront toutes douces. Voilà, j'espère que vous n'aurez plus peur d'essayer ces bandes de cire froide.